Regardez qui voilà. Discord. Regardez qui voilà. Et j'ai rencontré ta sœur un jour. Elle était beaucoup plus costaud que toi. Mais moins jolie. Jolie. Que veux-tu, petit cavalier? Malgros le profanateur, pour avoir conspiré avec Lucifer, commis d'innombrables crimes contre l'ensemble de la création, et par ordre du Conseil, aujourd'hui je te condamne à mort. Tu entres chez moi, seul, tu me menaces. Et tu espères pouvoir sortir d'ici? C'est vrai que c'est marrant quand c'est toi qui le dis. Je vais compter jusqu'à trois. Si tu es encore là, je profanerai ton cadavre de manière que tu ne peux même pas imaginer. Je jetterai les restes à mes serviteurs. La viande de cheval est le chair préféré. Deux, trois. Désolé, on est pressé. Oh, mais je suis pas seul. Yo. Et bienvenue. Putain, il y a des grandes bandes. Oh, tant pis. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve sur Darksider Genesis. Comme vous aviez pu le voir, et on va découvrir ensemble ce jeu qui j'hésite encore, mais j'ai envie de me lancer en disant qui sera le début de la série des Darksiders. On va commencer avec le Genesis. On fera peut-être le... Je pense que... faut que je vois... faut que je vois comment je vais faire ça. Mais normalement, il y a moyen que sur la chaîne... peut-être pas d'affilée, mais il y a moyen que sur la chaîne, je fasse... après celui-ci, le 1, le 2 et le 3. Alors attends. Ami, c'est quoi? Non. Invitation uniquement, privé. Ah, je vais mettre privé pour l'instant. Ouais, je vais mettre privé. Allez. Pardon. Et ben on est parti. Allons-y. La musique, j'aime beaucoup la musique. Du thème là. Thank you.
de regret. Ne doutez pas. Vos actions à Eden étaient tragiques, mais nécessaires. Eden a été créé pour l'humanité, pas pour les Néphilim. Cela a été une grande victoire pour l'équilibre. Mais pour vous aussi, cavalier. Une victoire. Tous sont morts et furie. C'est sans importance. Vous êtes appelés ailleurs. Lucifer, seigneur de tous les enfers, manigance l'anéantissement de l'humanité. Aussi faibles qu'elles puissent paraître, ces jeunes créatures sont une composante essentielle de l'équilibre. Nous pensons que le démon Samael, seigneur du donjon de Roche Noire, conspire avec Lucifer. Trouvez Samael. Démêlez cette intrigue. Servez l'équilibre. Montrez-leur ce qu'il en coûte de défier le Conseil. La forteresse de Samael est attaquée. Le Conseil aurait pu nous en parler. Ses ennemis sont nombreux, mais peu d'entre eux pourraient rassembler assez de forces pour l'attaquer directement. Je suppose que ça va pas être une conversation entre deux portes, du coup. J'en doute. Une chose est sûre, on va pas passer par la porte d'entrée. Approchons-nous et voyons ce qu'on peut trouver. Alors... Donc, je vais jouer... Alors, je ne sais pas comment ça va se dérouler dans le jeu, mais je vais jouer un maximum avec avec Discord, le nouveau protagoniste, en fait. Vu que Guerre est... Comment on appelle ça? Bah, Guerre, il a son jeu, puisqu'il est dans le 1. On dirait que la bataille fait rage depuis un moment. Les remparts avant tiennent toujours. Les forces de Samael vont se déployer là-bas, ce qui affaiblira ses défenses. Donc, tu proposes qu'on essaye d'entrer discrètement? C'est une bonne idée, mais ça te ressemble pas. C'est stratégique. Ok, ouais, d'accord. Alors, interagissez avec la pierre d'invocation pour invoquer d'autres joueurs. Ok, ça se joue comme ça. Et comment on invoque? Bref, on s'en fout. On va pas invoquer de toute façon. Tiens, c'est quoi par là? C'est quoi par là? La suite ou la suite est là-bas? On va aller voir là pour l'instant. Alors oui, comme je connais pas le jeu, je vais pas le rusher comme je vais pas le rusher. Oh là là. D'accord, là il y a des portes, ça a l'air fermé. Je sais pas c'est quoi ça. Ouais, la suite elle a l'air d'être par ici je pense, non? Ouais. On va aller voir de l'autre côté en fait. Oui, comme je disais, c'est quoi là? Ok. Vu que je connais pas le jeu, je vais beaucoup fouiller.
Attendez. La musique est bien, mais elle avait l'air d'être forte, donc... Ok, raccourci. Et on peut pas passer. Ok, ça c'est... Et là on appelle le cheval, d'accord, je regarde un peu vite, je pense qu'il va peut-être y avoir un tuto ou un truc, ah. Les premiers ennemis. Découvert quelque chose, d'accord. C'est joli pour l'instant. Il y a des pierres, je sais pas si, je sais pas là, quoi. C'est... J'allais vous dire, je vous rassure, je vais pas rester à cheval tout le temps, mais... D'accord, on peut faire des finishes. Des sortes de finish move. Ah oui, le dash est là. Là, c'était le pont. Pièce du passeur, d'accord, donc il y a des... Il y a des trucs, d'accord. J'ai un double saut, j'ai mon dash. Objet mystérieux, un objet mystérieux généré alors, par un ennemi rempli d'énergie puissante. D'accord.
On verra ça plus tard. Enfin, tout à l'heure. Alors, appuyez longtemps sur A. Après un double saut pour planer. Cool, j'ai des ailes. Choper une carte du donjon. Ah ok, je peux pas planer, peut-être planer sur les vents ou je sais pas comment ils appellent ça, mais pas planer. Ouais, ça a l'air d'être là la suite. Allez. Ouais, ok. Eh ben, je sais pas pour vous, mais je pense que cette aventure va être très bien. D'accord. Quand ma barre elle est remplie, je me mets en mode. Comment on appelle ça? Une sorte de mode furie. Wouah! Du loot! C'est génial! Ok, ça, le vert, ça doit te remettre de la vie. Peut-être y avoir une technique de combat avec le DH. Ouais, un peu comme tout le monde, hein. Je pense que dès qu'il va y avoir le B. Je vais l'activer pour. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Bref, on verra bien. Ah! D'accord, on revient là où. D'accord, ça c'est une barrière. Apparition de monstres! J'espère que la vue éloignée ne choque pas trop de gens. D'accord, ah oui, j'avais pas vu, mais j'ai tout à droite en fait. Cliveter. Appuyez longtemps sur Y pour charger et projeter une vague d'énergie vers l'avant. Lacérant le sol et tous les ennemis de sa trajectoire au niveau de charge élevée, la vague d'énergie se déplace plus loin et inflige plus de dégâts. Passive, toute attaque avec dévoreur de chaos a des chances d'infliger des dégâts et de projeter un ennemi au sol augmente de manière permanente la puissance d'attaque de chaque amélioration obtenue. Alors, Discord, ouais,
Vous pouvez sélectionner Discord ou guerre à tout instant. Appuyez longtemps sur LB et appuyez sur A. Ok. Vous pouvez équiper les munitions et les améliorations à tout moment. Ah, c'est le courroux, d'accord. Ça, c'est la carte. Allez, un peu d'action maintenant. Un simple échauffement. D'accord. Je vois. Oui, donc ce jeu est jouable en coop aussi, hein. J'ai oublié de le préciser, mais... D'accord. Tir standard. Et donc... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est quoi ces collections? Ouais. D'accord. Ah oui, j'ai des. Ah oui, sur la gauche, j'ai des trucs. Ok. Ok, ça, d'accord, ouais. Il faut que j'apprenne à bien utiliser mon dash. Ah oui, donc au lieu de tirer dessus comme un con, faut juste j'appuie sur B. Désolé, hein, je suis un peu... un peu con. J'arrive, je vais juste aller chercher l'autre que j'ai oublié et on continue l'aventure. De toute façon, là c'est le début, c'est le tuto, on découvre.
Il est là. J'avais pas vu qu'il fallait appuyer sur OP1. Bon, fidèle canasson. Ah, j'ai même pas besoin, c'est lui qui l'écrase. Waouh, failli tomber. C'est pas là. C'est ici. Pataclop, 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 pataclop. Sacrée chute. Fais attention. Je n'ai pas envie de regrimper là-haut. Ouais, surtout habillé comme ça. Ah, les mecs, ils s'envoient des petits pics, quoi, des petites vannes. Alors, appuie longtemps sur A. Après un double saut, ouais, pour planer, bah ça, ouais, il me l'avait dit déjà tout à l'heure. D'accord. Ah, c'est fermé. Ah, comment j'ai éclaté le chien. Le vieux chien de l'enfer. Ah, objet mystérieux. Oh, c'est bizarre, un objet mystérieux. Alors. Le conseil nous a pas dit grand chose sur cette mission. J'aime pas ça. Moi non plus. Le conseil espère peut-être que nous ferons ce qui est nécessaire. Alors il nous met à l'épreuve. Nous sommes liés désormais. Le garant de l'équilibre. Épreuve ou pas, nous suivons les ordres. Eh, je sais pourquoi j'ai signé. Je dis juste que... Pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est Samael. Ce qui est sûr, c'est que celui qui attaque Samy l'a sous-estimé. Nous ne ferons pas cette erreur. Ah ah ah, la puissance. Alors les toutous. Bon,
trop balèze. Que je regarde vite fait. Pourquoi la carte elle descend tout seul? Par là. Ah! Alors là il doit y avoir un truc et après le chemin c'est là-bas donc. On va aller voir ici. C'est ça, hein? Ouais. Meurs, vile créature! D'accord, apparemment, ouais, ça doit être ça, alors les quêtes. J'ai terminé un truc où il faut buter des mecs. Jolie arbalète! Ah ok, ça c'est de la thune. De la thunasse. Allez. On va prendre Billy, hein, ça va aller plus vite. Ouais, je l'ai appelé Billy. Ah ah! Vous la raconter avec moi. Eh oui. Alors, appuyez sur RT lorsque vous êtes à portée d'accrocher spectral pour attraper ou ici vers... D'accord. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a des moches? Vous savez quoi? J'aime beaucoup ce jeu. Je trouve que les mécaniques sont... Les mécaniques sont pas mal quoi. Je sais pas ce que j'ai activé. Je l'ai activé.
D'accord. Ouais, je crois que j'ai une frame d'invincibilité quand je monte sur les mecs pour les exécuter. Donc ouais, c'est cool. Qu'est-ce que tu faisais là, toi? T'étais caché? Allez, le cadeau. Le cadeau. Le cadeau. Alors, tir chargé. Tir avec une puissance de balle perforante. Peut-être chargé jusqu'à 3 niveaux. Augmente la puissance de la taille des tirs enchaînés. Les tirs sont instantanément chargés. Un maximum passif. Augmente de manière permanente la puissance d'attaque de chaque tir. Munition obtenue. Équiper les munitions chargées, appuyez longtemps sur LB et utilisez R pour ouvrir la sélection de munitions. Équiper les munitions en emplacement 1, emplacement 2. Tirer avec les munitions chargées. Donc en fait. Je lui ai bastonné sa tête. Donc en gros, j'ai celui-là et celui-là. D'accord. Ici, je fais ça. D'accord. Ok, je viens de comprendre. Ah oh bah c'est cool. En fait, j'ai le... C'est une vue isométrique. Je crois que c'est isométrique on dit. C'est Darksider Genesis. Et donc en fait donc là quand j'appuie sur bah RT c'est-à-dire R2 bah j'ai mon tir normal et quand je fais R1 ou bah soit je charge ou je peux tirer avec des grosses balles mais limité, vous voyez, là j'en ai plus, j'ai fait le con mais c'est pas grave, c'était pour montrer. Wow, mes jolies ailes. Apparemment, je peux retrouver des balles, donc c'est pas grave. Encore une pièce du passe. Oh, c'est joli, c'est gentil, ça. Des méchants.
qui me donne du loot. Merci pour tout ça. Trop généreux. Ah ah. Non. Non. Remonte. Bon, première mort. Après oui, pour la vue, c'est vrai que ça peut peut-être pas plaire à tout le monde. Vous voyez, j'ai chopé des, je ne sais pas c'était lesquels, mais j'ai rechopé des balles donc. Allez, Ucocotte. Oh les... Avec la super... Ah putain, ça va être génial. Quand je monte ma barre d'en bas, les balles spéciales, ils sont devenus énormes. Hop, hop, de la vie, de la tunasse. Alors... Où est la suite? Tiens, il y a un truc sur la droite. Ah non, c'est plus en bas, d'accord. Attends, elle est où ma flèche? Ah non, d'accord. Mais merde, c'est pas ça que je veux faire. Je veux appeler mon cheval. Eh oui, bah ouais, donc il existe ce seul et unique Darksider et qui est jouable en coop. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il est jouable en coop avec Guerre et Discord. Et comme Guerre a déjà eu son opus où il a rien que tout seul, je joue avec Discord. Qui est très classe aussi. Hein. Avec ses guns et tout, j'aime beaucoup. Moi. Alors. Ok. On va aller voir là, qu'est-ce qui se passe. Ah d'accord. Alors je ne sais pas si on avait plusieurs des archers. Enfin des arbalétriers ou je ne sais plus trop, mais en tout cas j'en aurais fait deux. Vous
j'appelle les munitions. Ouais, par contre, au niveau de la vue... au niveau de la vue, c'est un peu dommage quoi. Au niveau du drapeau, on voit que dalle, mais... Ah bah 2 sur 2, bon, vous voyez, je viens de faire le la quête. Bah tenez, on va regarder ça vite fait. Pendant qu'on est là, quête. Alors... ouais... Chaque type de cœur de créature. 50 pièces du passeur. Après, je sais pas si c'est que sur ce... Comment on appelle ça? Bon, on va prendre les trucs. Je sais pas si... Non, vu tout ce qu'il y a... D'accord. Non, je pense que c'est au cours du jeu. Là, il y a du feu. Ok, bon, on va revenir en arrière. Ouais. J'étais obligé là, pas du gain. Attendez. Ah ouais, c'est la suite. Ah, c'était quoi là-haut? Deuxième mort. Ça... Merde. Ah d'accord, si ça m'enlève. J'allais dire c'est pas punitif, mais si ça m'enlève de la vie. Mais non! Attends. Mais il tombe tout seul? C'est pas... Non, je veux pas mourir là. Tout ça pour aller chercher un truc. Les clés du mystificateur, d'accord. Pourquoi pas? De la vie, de la vie! Bah tiens, raccourci. Et puis, ah d'accord, non, j'ai cru que c'était pour s'accrocher, mais non. Bonjour, je cherche des gens pour donner sa vie. Ah,
bah voilà. Ok, donc nous on arrive d'ici. Ça c'est pour moi. Il va falloir que je rachète une nouvelle manette. Je crois que j'ai un petit souci de manette. Ok. Je viens de... Oh non, c'est bon. Je viens de voir un truc. Quand j'ai pris le coffre, le point a disparu. Donc il y a des coffres que j'ai pas pris. C'est pas grave. Alors, peut-on remonter ici? Non, on peut pas remonter. J'avais appuyé sur B. Tiens, dans ta tête. Tiens, viens pas me saouler, toi. Désolé, je regarde hein, parce que je suis un mec qui aime le loot. Donc forcément, je comprends rien. Ah, ok, ça c'est quoi? C'est un coffre. Il y a un coffre quelque part. Ouais, sauf que... Ah, peut-être, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah voilà, il est là, le coffre. Du loot! Encore du loot? Ah, je suis à fond au niveau de la vie. What's he dit? Je crois que ça pourrait être Moloch. Ah, d'accord. Il a pas l'armée pour le faire, mais ça lui ressemble. La question est... Pourquoi? L'enfer est une fosse emplie de vipères. Les seigneurs démoniaques ont-ils besoin d'une raison pour se faire la guerre? J'imagine que non. Mais quelqu'un s'est senti pousser des ailes, en tout cas. Ils nous divertiront le temps de nous frayer un chemin jusqu'à Samael.
Il y a intérêt à avoir quelque chose d'intéressant à nous apprendre. Sinon, le conseil va vraiment être en rogne. Si on ne se hâte pas, on va se retrouver à interroger un cadavre. On doit se dépêcher pour aider Samael ? Ça me gonfle. Ah ! Petit problème de trad. Peu dommage qu'on peut pas bouger la caméra, mais bon. Pierre d'invocation. D'accord. En fait, je veux pas, mais d'accord. Je peux invosquer. Jolie épée. Là. Ce passage mène vers le rempart extérieur. Il faut encore grimper. T'as jamais envisagé de porter une tenue plus légère ? D'accord, en fait c'était tout simple et je me suis mis des complications. Ok. Bon, on est parti.
Caméra un peu bizarre. Qui prend pas en compte le. Ou alors elle disparaît trop tard. Un peu bizarre, c'est dommage. D'accord. Dès qu'on franchit cette porte, on peut plus revenir en arrière. Ok. Exécution. Vous voyez, un peu comme ça, là, s'il y aurait quelqu'un qui serait venu m'attaquer. Oh! Jolie bestiole! J'étais coincé dans le décor. J'aurais dû sauter là. Ça va, il prend cher. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres comme lui. En même temps, c'était un premier monstre. Devons atteindre Samael rapidement. Alors. Rien d'autre. Et allez, encore un objet mystérieux. Et là, on est censé passer en mode furtif, hein. Je suis désolé, je me suis trompé de bouton. Pendant un court instant, j'avais oublié les touches. D'où je suis.
Comment on fait pour changer de map? J'ai fait tout. Ah bah y a rien. Ok. Bon, Ah le retour du cheval. Ah sinon ça va mettre une plombe. Désolé hein, d'avoir été si long mais. Ah si, c'est ça, je suis là. Comment on fait pour descendre du cheval? Voilà. Une porte aussi prétentieuse va forcément nous mener à notre bon Samael. On a bien fait d'entrer discrètement. Nous n'avons pas été discrets. C'était une approche stratégique. Et nous avons quand même terrassé une armée de démons. C'est pas faux. Peut-être. Mais j'étais stupide de ne pas accepter son offre. Seigneur, le conseil. Hey, tu nous as pas entendu frapper? Ah, cavalier. Que me vaut le plaisir d'une visite des fidèles serviteurs du conseil? Le conseil croit que tu conspires avec Lucifer pour anéantir l'humanité. Pour renverser l'équilibre. Le contestes-tu? Cavalier, une vilenie aussi basse serait indigne de moi. J'avoue être intrigué par votre accusation. Mais malheureusement, je suis légèrement pris d'assaut à l'instant. Par Moloch? Comment t'as fait pour laisser un minable comme lui prendre l'ascendant sur toi? Enfin, je dis ça. C'est une excellente question. Peut-être oserais-je deviner la réponse. Je t'ai dit que ce jour viendrait, Samael. Moi, Moloch, je suis venu réclamer ta tête et ton royaume. Partez. Allez trouver mon associé dans le néant. Nous continuerons notre discussion lorsque j'aurai enfoncé mon épée dans le crâne de Moloch. Il est un associé, apparemment. Samael nous a envoyés ici pour une raison. Nous devons découvrir pourquoi. J'adore le fait que les pierres se posent. Alors, The Néant. Ah oui, c'est là. C'est là qu'il y a quelque chose. Donc l'âme vorpal,
plusieurs fois les cibles, frapper le flingue traverse. D'accord. Et comment on fait pour l'installer ? Ah d'accord. Crochet spectral. Crochet spectral. Lame vorpale. Non, mais c'est ça que je veux. Ah non. D'accord, la lame vorpale c'est pour bah oui mais non. Bon, on verra. Nous sommes ici. Il savait qu'il en aurait besoin. Ouais. Et de quoi est-ce qu'il aurait besoin en fait? Laisse-moi te faire une démonstration. Et toi, fini de frimer. L'associé de Samael attend quelque part dans l'immensité infinie devant nous là. Je pourrais presque croire que tu es jaloux. Arrête. J'ai deux clés. À moi le loot. L'impression qu'il y avait du loot. Éclat de gemme de santé dehors la loi. Un éclat de gemme de santé de Discord, collecter 3 éclats pour contrôler et augmenter la santé maximale de Discord. Oh bah c'est cool ça. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et j'ai pris ça. Deux, trois, quatre. J'ai tombé, mais je crois qu'il y a un truc là.
Il y a que dalle en fait. Bon, on se casse. Et cool, j'avais quand même j'ai eu un truc secret. Oh, mais qu'est-ce que je fais comme connerie? Tout ça pour aller voir des trucs qui qui a rien en fait. Ah, il y a que dalle ici. Oui, en fait, dans certains jeux, j'ai des petits soucis, c'est que vu qu'il y a des petits trucs cachés, j'ai tendance à essayer de fouiller tout partout. Là, il y a un... Ah non, c'était c'était là-bas. C'était le truc de la lame. D'accord, je viens de comprendre. Attendez, j'ai pas compris. Vas-y, alors. Non, faut que je refasse là-bas. Ah non, c'est dit, j'ai réussi. Ah d'accord. D'accord, c'est comme ça. Passage vers l'antre des serpents, j'aurais dû m'en douter. Ce truc te dit quelque chose? Malheureusement oui, il appartient à quelqu'un dont je connais le nom. Ah bon? Bon, oh, tant pis. Ça doit être l'associé dont parlait Samael, ce qui explique certaines choses. Est-il digne de confiance? Absolument pas, d'aucune manière. Cela dit, je vois aucun autre moyen de sortir d'ici. Alors qu'est-ce qu'on attend? On n'a vraiment pas le choix. On pourrait aussi attendre ici. Pour toute l'éternité. Après toi.
c'est select, ok. J'attendais Samael, mais des cavaliers, hein, ça devient intéressant. Alors, je sais pas si de base la croix descend tout seul, mais j'ai l'impression que je vais devoir acheter une nouvelle manette. Il y a un trou, faut que je rentre dedans, c'est super. À plus tard pour ceux qui doivent y aller. Que c'est ici? Il n'y a rien du tout, c'est juste un décor. Ok, super. Ah ok, ça me dit où il faut aller quoi. Ouais, super. C'est ça? Le dévoreur d'âmes? J'adore ton surnom. Discord. Comme moi, ta réputation te précède. M'as-tu apporté quelques délicieuses petites friandises pour apaiser ma faim? Salut, salut! Ou peut-être la chair. Ça va et toi? Surveille ta langue, Vermine, si tu ne veux pas que je te la tranche. Notre mission ne te regarde pas. Oh, mais je pense que si. Que seriez-vous venu faire ici, sinon? Nous avons été envoyés ici par Samael. Peut-être est-ce pour qu'on lui rapporte ta tête. Oh, c'est cool ça. Prends garde, cavalier. Fais preuve de justesse et je saurai. En plus, il fait beau. Enfin, je sais pas dans quelle région, mais je pense qu'il fait beau. Allez me rendre un service. Le Conseil ne négocie pas avec les démons. Si tu le défies, tu en paieras le prix. Le Conseil n'a aucun pouvoir ici. Ce royaume est le mien, et il est donc soumis à mes règles. Me tuer serait une erreur tragique, car vous seriez prisonnier du néant pour l'éternité. Maintenant, ai-je votre attention? La patience n'est pas le point fort de mon frère. Le mien non plus, d'ailleurs. Alors parle. Les seigneurs de l'enfer sont toujours en guerre. Ils veulent le pouvoir, le contrôle. Lucifer et Samael, plus que quiconque. Vous êtes ici parce que Lucifer essaie quelque chose d'inattendu. Il tend maintenant la main à ses ennemis, en leur offrant quelque chose de très désirable en échange de leur coopération. Et Moloch en fait partie. Ah, rien dans ce monde n'est gratuit. Si vous voulez en savoir plus, nous devons conclure un accord. Un précieux artefact m'a été volé. J'ai sollicité l'aide de Samael à ce propos, mais vous pourriez peut-être le récupérer. C'est ça les informations que tu nous donnes? Aller chercher un artefact? Qu'est-ce qu'il a de si important? C'est compliqué.
Pour l'instant, je préférerais encore te tuer que t'aider. Quoi qu'en dise le conseil. Cela ne serait bénéfique à aucun de nous. Ça en vaudra la peine. Je t'en donne ma parole. Oh, ta parole. Pourquoi tu l'as pas dit? Oh, on va s'en occuper alors. C'est une plaisanterie, j'espère. Regarde où on est, Guerre. Si t'as une meilleure idée, je prends. Je vais vous ouvrir l'antre des serpents pour ce voyage. Méfiez-vous toutefois. Le gardien de mon artefact ne sera sûrement pas enchanté de vous voir. Ouais, enfin, de toute façon, personne n'est jamais enchanté de nous voir. C'est un peu l'idée. À ce propos, je pense que ceci sera susceptible de vous intéresser. Je les acquiers de temps à autre. Ils sont à vous, à condition que vous y mettiez le juste prix, bien entendu. Alors, le gain, fichier, bouton entier, ça... Donc ils vendent des choses. Amélioration. Cœur. Clé mystificateur. Utilise ces clés pour ouvrir des mystérieuses portes de mystificateur. Éclair de gemme de santé. Ouais. Je crois que je vais en prendre un de ça. Tant de merveilleuses choses. Parce que j'en avais deux. Contre si peu d'âmes. Ouais, effectivement, ma santé a augmenté. Alors, regardez vite fait les améliorations. Par contre, ça coûte cher. Hein. Waouh! J'ai pas assez, et ça c'est quoi? Débloquer un quart de crête avec un nom de niveau 1. Résister un joueur, soigner un... Ok, ça c'est encore quelques âmes de délicieuses, délicieuses âmes. Bon, on va y aller. Hein. Ça c'est quoi ça? D'accord, ici il faudra revenir. On devait pas aller détrôner la fosse de scorie. C'est là que je dois aller. D'accord, donc les pierres du passeur, j'en ai loupé deux. Les améliorations, j'en ai loupé deux. Ok. D'accord, il y a une sorte de niveau recommandé. On est parti. C'est difficile de comparer. Torturé, des cages, ça fait pas de doute, on est dans un donjon. Trouvons le démon troublant de Vulgrim et arrachons l'artefact des mains de son cadavre.
Ok, là tu commences à m'intéresser. En fait, il est difficile de comparer parce que regarde, c'est une vue comme ça. Mais je pense qu'ils se... Ouais, je pense qu'ils se valent. Hein. Après, ça dépend. Si tu aimes bien le système de caméra comme ça, ça te dérange pas. Et que t'es fan de la série, ouais. J'ai envie de te dire, essaye-le. Mais après, c'est comme tout. Il y a des gens qui vont pas aimer le système de caméra. Ok, bah allons chercher la clé. C'est quoi ça? Attends. C'est là-bas? Attends, je suis pas débile à ce point. Ah, attends, je crois qu'il faut prendre guerre, non? Pas un système avec ça. Ah bah, ça c'est ce qu'il fallait faire. Ah d'accord, c'était des... D'accord, hein, autant pour moi. Ok, c'était un truc pour exploser. C'était des kamikazes. Par contre, il y a quelques petits soucis de caméra. Mais sinon, dans l'ensemble... On fait un paquet d'âmes. Apparemment, quelqu'un faisait des économies. Quelle importance. Notre but est l'artefact. Pas l'acquisition d'âmes. Vulgrim a un penchant coupable pour les âmes et entasse tout un tas de conneries magiques dans son... Je sais pas où. On pourrait lui proposer un échange. C'est juste.
Alors, champion de la Légion, augmente la puissance de courroux de 2,5%. Ouais. Alors, you are the witch chapter. Si tu me demandes, je suis à combien chapter 2. Alors. Ah bah oui, bah non. C'est là. Tu crois que tu peux atteindre ce cristal d'ici? T'es sérieux là? Ça, ça va. Je crois qu'il faut que je fasse ça. Lucifer est aussi dangereux que le dit le conseil. Pourquoi ils n'ont envoyé que nous deux? Mort et Fury ont d'autres affaires à régler. Il ne nous appartient pas de contester la volonté du conseil. Il ne m'appartient pas de contester ta garde-robe. Mais je trouve que ton armure aurait besoin d'autres visages flippants. Pourquoi faut-il que tout soit sujet à plaisanterie avec toi? Le conseil... Faut vraiment que tu te détendes un peu. Le conseil ceci, le conseil cela... Tu veux entendre une plaisanterie? Une vraie? Non. Toc toc. T'es censé répondre, qui est là? Pourquoi révélerais-je ma position? Je détruirai simplement la porte et j'affronterai mon agresseur. Oh, t'es désespérant. Regarde, sous la grille. Tu crois que c'est l'artefact de Vulgrim? Ces glyphes indiquent une sorte de mécanisme de verrouillage. Il semblerait que notre mission sera plus difficile que nous le pensions. Parce que tu te souviens d'une mission facile, toi. Alors. Ok, donc je suis là. Ok, bon, on va essayer de voir. Hein. Carte de la fosse. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, ah, j'ai loupé tout plein de cadeaux, je suis sûr. Bon, c'est pas grave. Attends de score. Okay. The best game again and finish the chapter. Attends, c'est pas censé péter? Huh?
Ah. Normalement j'ai plus rien à faire ici, c'est ça. Par contre, chapter Game Over, je finis du chapter. Attends, je vais pas y aller ici. Là, c'est fermé. Ouais, non, il fallait pas, faut pas que j'y aille ici. Pourquoi il me parle de la lame? Il y a un autre ici que j'ai pas pris. Ah oui. Effectivement, j'avais pas vu. Par contre, j'ai fait. Ah non, d'accord. D'accord, et là ça descend pas. Que c'était la dernière cache d'armes. Ugrim devrait être satisfait. T'es pas content de m'avoir écouté? Ouais. Allez, dis-le. Frère, t'avais raison. Il survient, de temps en temps, un moment où tes propos ne sont pas complètement vides de sens. C'est censé être un compliment? Oups! Miam 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 miam. Oh non. I'm die. Ah non, je suis mort. Cavalier,
désolé, sorry, je sais pas, c'était devenu violent là, d'un coup. J'aurais dû monter peut-être. Ouais, sûrement. Mais non! Je lui dis... Putain, je lui dis d'aller sur la droite, le mec, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Crochet spectral, c'est R ça. Utiliser le crochet spectral, pourquoi? Pour saisir des objets à distance. Que je comprends pas. Enfin, il y a un truc que je dois mal faire en fait. Un truc que je dois mal faire. Je suis où? Je suis là. Il y a un truc que je dois mal faire. C'est obligé. Ouais, c'est le crochet spectral.
pourquoi. Truc que je dois mal faire, je comprends pas. Utiliser le truc spectral pour vous accrocher, mais ouais, mais je m'accroche où? Lui, il est trop haut. C'est pas possible que je puisse l'attraper, celui-là. Là, je voudrais bien attraper la boule, mais. Si je saute, non, ça va pas. Ah ouais, d'accord, non mais... D'accord, donc faut vraiment jouer avec les deux, quoi. Enfin, le truc spectral, c'est l'autre qui pouvait le faire, d'accord. My bad. Oh, joli. Je crois qu'on a trouvé notre cible. Joli monstre.
C'est tendu, c'est tendu. Ah, il m'a poussé. Dans sa bouche. Il est beaucoup moins troublant. Récupère l'artefact et partout d'ici. Et moi qui croyais que cet endroit te réchaufferait le cœur. Tu sais pourtant que ton humour me laisse froid. Ouais, je sais que toute forme d'humour te laisse froid. Je me demande pourquoi ce machin est si précieux pour cette goule dévoreuse d'âmes. On pourrait convaincre Vulgrim de nous en donner un peu plus. L'artefact en échange d'informations. Nous honorerons notre accord. Sérieux ? Il devrait carrément nous prendre par la main et nous mener jusqu'à Lucifer. Retournons parler à Vulgrim. Dans son intérêt, je lui souhaite que sa générosité se soit grandement améliorée. Ah, de retour. Enfin, de retour, pas moi, de retour au sanctuaire ou je sais plus comment ils appellent ça. Chez l'autre, quoi. Vous avez réussi. Oui, oui. Donne-le-moi, cavalier. T'es bien excité à propos d'un caillou brillant, Vulgrim. Chacun ses petites manies. Un caillou brillant, vraiment? Regarde de plus près. Ah,
un peu de place pour me dégourdir les jambes. Qu'est-ce que vous regardez tous? Vulgrim, tu es vivant. Manifestement, notre arrangement tient toujours. La pierre est une prison? C'est comme ça que tu traites tous tes partenaires d'affaires? Je m'en souviendrai. Tout ça est sans importance. Nous devons trouver Lucifer. Que sais-tu, Vulgrim? Lucifer? Qu'est-ce que vous voulez à ce charmant personnage? Toute chose est liée, cavalier. Dis a été capturée alors qu'elle cherchait un objet de la plus haute importance pour Lucifer. Elle a une dette envers moi. Ouais, c'est une façon de le dire. Et quel est cet objet que cherche Lucifer? Il s'appelle le cœur d'Ignescence. Il contient la puissance d'un millier de soleils. De quoi mettre immanquablement un démon dans tous ses états. Du coup, je suppose que ça contrecarrerait les plans de Lucifer si on le trouvait avant lui. Je pense qu'on peut parier là-dessus. Tout ce qui peut nous rapprocher de l'imposteur mérite qu'on s'y intéresse. Le cœur d'Ignescence est conservé dans une forge démoniaque appelée la Voûte des Enfers. Mais de redoutables cavaliers ne devraient avoir aucune difficulté à le récupérer. Épargne-nous ta flagornerie, démon. Contente-toi de nous ouvrir le passage. Notre relation s'épanouit sous les meilleurs auspices. D'accord. Ce que vous désirez, j'aspire à vous le proposer. D'accord, donc j'avais, comme j'ai déjà acheté, tiens, je vais acheter ça. Comme ça, je vais monter mes barres. Enfin, ça va faire un, mais tant de merveilleuses choses contre si peu d'âmes. Faites attention à vous. Je vais essayer d'aller voir la sorcière. Enfin, la sorcière. Death. Enfin, je crois qu'elle habite. Elle est là. Tout doux, mon grand. Et qu'est-ce qu'elle vend, elle? Pas mal en fait. Montrez-moi un peu de respect. Tiens, on va prendre vous ça. Vous savez à quel point c'est compliqué de récupérer ces trucs en douce sous le nez de Vulgrim? Bon. Et voilà, il y a un trou. Faut les aimer en chien. Il y a un trou, faut que je tombe dedans, moi. Allez. Mission suivante. La voûte des enfers. On y va. On va essayer de voler un truc que Lucifer veut. La voûte des enfers. Elle existe uniquement pour forger des armes qui s'opposent aux forces des cieux, et pour anéantir le travail des fondateurs. Et si on en profitait pour anéantir quelque chose, nous aussi? Notre mission est de récupérer le cœur d'Ignescence. Bien sûr. Et pourquoi on s'amuserait pas un peu en chemin?
Oui, non, c'est l'air de se... Je viens de là. Putain, j'avais pas un cheval dans le temps. Ils me l'ont enlevé. Oh là là, les exécutions, c'est tellement satisfaisant. Alors, là, il y a vraiment de très grandes chances pour que je faille et je tombe dans le trou au moins 3 fois. Non, c'est de l'autre côté, Michel. Ah d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon bah finalement, je suis tombé qu'une seule fois. Oh, le non-respect. Voilà. Par contre, je vais remonter vite fait en haut parce que je crois que... Je me suis un peu précipité, on va dire.
Mais dis donc, on n'attaque pas dans le dos. C'est pas gentil. Ok. Attends, mais elle est grande la map. D'accord, on va aller en bas parce qu'apparemment en bas il y avait rien. Enfin, il y avait pas, c'était pas la suite. Mais il y avait des choses. D'accord, ça, ça va faire exploser. Ah, j'étais coincé. Ouais, je m'en doutais que ça passerait pas. Ok. Ah. Ah, 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 quoi, il n'y en a pas un autre allumé? Ah oui, d'accord. Ça, c'est un peu moins con en fait. Elle n'est pas censée exploser. Non, c'est pas grave, je teste des trucs. Si je fais ça,
Est-ce que je peux le récupérer? Je peux pas le récupérer. Hein. Comment faire ? Ah ah ! Morceau d'armure abyssale de conquérant. Un fragment d'armure abyssale augmente la santé maximum de guerre. Collectons un 5 pour débloquer. Oh, c'était juste pour guerre ! J'ai envie de dire tout ça pour ça. Bon. Voyons, voyons voir. D'accord, tout ça pour ça aussi. En plus, j'en ai loupé un. Enfin, une pièce, pardon. C'est pas grave. On va passer à la suite. C'est vrai que j'avais ça. Voilà un joli coffre. Chose trap. Une série de mines qui explose dans ce cas de nuit. D'accord.
vraiment, franchement, c'est vraiment plaisant de jouer avec Discord. Je trouve que comparé à Guerre, il est, je sais pas, il est un peu plus jouissif, quoi. Il est moins lourd. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le fait de jouer avec l'agilité. Salut les mecs. Alors, comment ça se passe? Bam. Par contre, j'avance, mais je sais même pas si c'est où la route en fait. Je pense pas que ce soit là. Je pense qu'il faut le, c'est le truc avec les. Non, donc c'est cool. Voilà. Donc j'avais raison en fait. Regarde autour de toi, frère. L'ardente ambition de démons qui cherchent à perturber l'équilibre. C'est pour cela que nous combattons. Mais, et Vulgrim, si on l'aide, ça va pas perturber la balance? Je suis pratiquement sûr qu'il compte pas se servir du cœur d'innaissance pour décorer quelque chose. Ok, à bientôt. Ciao. Oui, c'est vrai que ça avait pensé à... Nous avons besoin de ces informations. Quoique manigance Lucifer, cela dépasse de loin Vulgrim et ses modestes desseins. Le Conseil serait pas franchement ravi d'apprendre qu'on échange des artefacts dangereux contre des informations. Nous faisons ce que nous devons faire, pour la mission. Si les ambitions de Vulgrim se heurtent aux nôtres, nous nous occuperons lui aussi. Guerre, détends-toi. Je me moquais de toi. Tirons-nous d'ici avant que ma peau ne commence à fondre. Par contre, oui, merde. Guerre, il est clairement... c'est clairement un ravageur. Ah non, c'était juste pour ça. Bah elle est où la suite? J'étais dessus. Ah ouais, c'était là. Je pense que c'était là. Ah, je suis débile en fait. Ok. Je pensais que c'était une porte à ouvrir. En fait non. D'accord. Pas ça la suite. Bizarrement, ça y ressemble. Ouais, non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Ah bah non, je suis débile. Je l'avais oublié. Mystificateur. J'aurais dit une clé mystificatrice, mais bon.
ou la clé du mystificateur. Ah, un ennemi, bonjour. Non. Oh, le coup de pompe. Bon. Hein, toi-même tu sais. La fournaise. Ah, je suis mort. Il y a un truc, qui va pas. Ah, comme il l'a attrapé par la queue. Il l'a montré à ses messieurs. Cœur de la voûte des enfers. Cool. Je fais ça juste pour récupérer de la thune. La thunasse. Il y a un truc, je suis sûr qu'il... Cœur de créature. Je sais. Je devrais pas, mais... D'accord, et donc là on a des trucs à faire. Niveau 1, augmente la puissance d'attaque. Et on a un arbre, d'accord. Non. D'accord. Ok, il faudra que je regarde ça, mais d'accord. Ah ok, j'ai ça, d'accord. Après on a la roulette et tout, d'accord. Pourquoi il a sauté sur le côté? Parce que j'ai peut-être pas appuyé sur la touche. D'accord, ok. On est où là?
Bon. Ah, c'est ouvert. J'allais dire, ça m'a saoulé. On va aller voir d'abord là-bas. Bon, il veut pas. Toujours pas de cheval. Ah, c'est les... C'est les portes qui rapportent du loot. Non ? Ouais, j'ai l'impression. Ah putain, c'est pour... C'est pour guerre. Sources permettant de l'utiliser doivent l'être aussi. Où cet endroit est une forge? Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui traîne quelque part. Ah, il y avait trois trucs. Donc je les ai pris. Je pense que c'était juste du dialogue. Allez, on continue l'aventure. Enfin, l'aventure, le chemin, quoi, la route. Ah! Attendez 30 secondes. Je regarde vite fait. Là, c'est bon. Là, c'est revenu. Voilà. Désolé, j'ai eu un petit souci de retour. Ouais, c'est... Oh là! M'attaque en traître. Il fait chaud ici. La visière est pleine de buée. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je choisis de ne pas me dissimuler derrière un masque ridicule. Attends, parce que c'est pas un masque, ça? Oh, je suis vraiment désolé. Alors, l'enfoiré. Je suis là à droite. Hein. D'accord, donc hein. Le feu ça tue, hein. Ah oui, la pièce elle est là-haut. D'accord, c'est pour ça. Je viens de comprendre que... Enfin, je viens de comprendre, non. Mais j'ai compris un truc un peu important. C'est que l'arbre qu'on a vu avec le truc des cœurs.
Ah non, je suis mort. Bon, on recommence. Dis donc. Et donc oui, ce que je disais, c'est que les l'arbre de talent en fait qui est là, le cœur des créatures, c'est là qu'il faut que je mette des points pour pour monter sa force et tout ça. Donc faut que je regarde après. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le regarder en off, tranquillement en fait. Et après, quand j'aurai des points à mettre, je vous le montrerai en fait. Ouais. Ah oui, d'accord. D'accord. Je croyais que c'était un truc timé, mais non. Ouh là, il y a du feu. Non, c'est bon. Là, il y a rien. Donc, on monte. Il y a rien là-bas. Tac. Petite glissade. Où vais-je? Ah! Ah! Accroche-toi. C'est bon, j'ai vu. J'ai fait n'importe quoi, mais j'ai vu. J'ai vu.
tu espérais, frère? Ah ouais, je m'éclate comme une bête ici. Ça n'a pas l'air pour tout de suite. La DA est très jolie. Hein. C'est ce que j'allais dire, ça sent le gros monstre. Bon bah ça va être tendu mais faisable. Mais tendu. Ah, lui aussi il tire. J'avais pas vu. Ah mais à chaque fois hein. Ah non, c'est pas possible. J'ai mal joué. Là j'ai mal joué. Mais clairement. J'ai clairement mal joué.
suis trompé. Ouais, et en fait, le boss il est pas très dur. C'est juste que. Faut connaître le pattern après. Et faire un peu. Faut faire un minimum attention, pas comme moi. Surveille tes arrières. Je savais. Alors c'est quoi? L'effondrement du niveau? Des vagues d'ennemis? On a déjà tué tout ce qui pouvait être tué. Je t'avais pas dit qu'on allait bien s'amuser. Chapitre terminé! Heureux de vous revoir, cavalier. Je n'étais pas certain que vous reviendriez. Essaie de pas avoir l'air si déçu. Et t'as déplacé quelque chose, non? Le néant est en mouvement perpétuel. Il est fluide, tout change. Il y a des secrets à dévoiler ici. Ah, c'est chouette. Nous avons récupéré le cœur d'Ignescence, mais nous ne savons toujours pas où trouver Lucifer. Ce qui te rapproche du tranchant de ma lame, démon. Comme je te l'ai déjà dit, toute chose est liée. Le cœur d'Ignescence nous servira de source de pouvoir, mais aussi de phare. Je n'ai entendu que des grondements, mais pour suivre la trace de Lucifer, pour retrouver les démons avec lesquels il a conspiré, nous aurons besoin d'un œil clairvoyant que nous utiliserons avec le cœur. Laisse-moi deviner, t'as égaré le tien. Je connais un temple ancien dont la rumeur raconte qu'il abrite un de ses artefacts. Mon antre des serpents peut vous y mener. Et cet œil clairvoyant nous mènera jusqu'à Lucifer? Je ne vois aucune autre manière d'arriver jusqu'à lui. Alors nous allons te le ramener. Mais je t'avertis, démon, ne nous fais pas perdre notre temps. Je ne me le permettrai pas. Restez donc un peu. Ouais, donc une fois qu'on aura tout acheté, ok. J'ai entendu dire que vous allez bien vous amuser. Bon, on est parti. Hein. On va faire l'épisode. On va faire le chapitre 4 tout de suite. Ah! Ah d'accord, déjà il me disait que il faut que je monte mon niveau, sinon ça va être très dur. Et on peut changer la difficulté, d'accord. Ah, c'est cool.
Déjà 170 c'était au-dessus de moi, vu que je suis 150. Mais là 220. Quasi le double, ça va être tendu. D'accord. Et tout ça, ça me donne des trucs. Carte du niveau, les quêtes, le journal, la collection. D'accord. Et le cœur des ténèbres. D'accord. Et on voit à côté, d'accord. Je pense que je vais mettre ça. Hein. D'accord. Et là, on peut mettre des trucs, des autres trucs. Là ça monte le courroux, là ça monte, d'accord, pot de pierre, ouais on peut rajouter des trucs. On augmente le courroux. Mais non. D'accord, c'est avec les trucs, faut tous les mettre quoi. Attendez, attends, si je fais ça. D'accord. Et là, je peux mettre ça. D'accord. Ah bah ok.
197, au bon, ça va. Faut 220 190, si on va y aller. 197 220, ça va. Tout à l'heure j'ai fait 100, j'étais à 150, il fallait que je sais plus combien moi. On est sûr que ça va faire ici. C'est tellement pittoresque, je crois même que j'aimerais y vivre. C'est un royaume d'infinie souffrance. Embrasse cette désolation, elle sied à notre travail. Embrasse cette désolation. Sérieux, tu t'entends parler parfois? Vulgrim a parlé de quatre feux qui doivent être allumés pour déverrouiller l'entrée du temple. Alors mettons-nous au travail. Oh, un gros chien. D'accord, au début en fait pour le comment on appelle ça? Pour l'arbre de talent, on va dire. On va appeler ça grossièrement. Je pensais qu'il, en fait, il va falloir mettre des trucs, machin, lui. Et en fait, je me suis aperçu qu'avec le peu de trucs que j'avais, en fait, tu mets tout et tu te fais pas chier, quoi. Attends, je l'ai tué? Merde, je crois même... Je pense même pas lui avoir fait une exécution. Ok... Et ça a fait quelque chose? Non? Ça n'a pas l'air, hein? Bon allez, on va essayer de se dépêcher pour vous donner 4 chapitres. Les munitions.
D'accord, et quand j'aurai, à force de tuer les mecs, je monte les cœurs et... Et quand ce sera le level 2, ce sera plus, machin. Et vu que je vais affronter des nouvelles bêtes, je vais avoir de nouveaux cœurs à pouvoir placer. Ah non, je crois que c'est ça les feux. Est-ce qu'il faudrait... C'est comme ça. Ce serait ça qu'il faudrait allumer. Comment tu fais avec ça? Pas l'air de revenir, hein. Ah bah voilà, ça ira plus vite. Ouais, j'ai l'impression que c'est ces feux-là hein, qu'il faut allumer.
Est-ce qu'il me faut un feu spécial ou n'importe quel feu fait la feu? D'accord, là je vois qu'il y a des bras zéro. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Par contre, j'ai vu. Si, c'est ça qu'il faut allumer. Hein. Ça veut pas monter. Ouais, par contre, c'est ça, hein, c'est ces bras zéro là qu'il faut allumer. Comment faut faire? Il y a une chose qu'on peut pas enlever à l'enfer, c'est grand. Raison de plus pour agir rapidement. Lucifer va certainement rallier d'autres démons à sa cause alors même que nous le cherchons. Le conseil en a vraiment après notre vieux Lucie. J'aimerais pas être à sa place. Il trahit l'équilibre. Je sais même pas ce qu'il a fait. Notre cause est juste. Pourquoi faut-il toujours que tu doutes? Tu devrais essayer de te poser des questions de temps en temps. Arrêter de jouer au bon petit soldat. Mais je suppose que c'est plus facile de faire ce qu'on fait quand on n'a pas besoin de raison. Frère, pour ton bien, poursuivons en silence. Thank you.
Ah si, c'est ça en fait. Je dois allumer les petits braseros avant. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ce que j'avais pensé. D'accord. Il faut allumer les bras zéro et après ça, ça voilà. C'est exactement ce que j'avais pensé, mais j'arrivais pas le. Comment on appelle ça? À le mettre en situation, on va dire. Pas grave, hein. On va retourner en arrière, on va refaire le bras zéro qui était, enfin le, on va faire celui-là. Ouais, non, c'est clairement celui-là. Hein. Comment on peut faire? Ah, j'étais dessus. Comment faire? Là, c'était facile. Ah voilà. Je peux éviter l'autre feu. Ça doit être ici en bas. C'est là.
Faut que je rachète une nouvelle manette. Oh, j'ai réussi. Encore un. J'allais dire je vais galérer et en fait non. Là, c'est cool. Allez, on fait le dernier. Non, c'est pas là. C'est là, je crois. Ouais, c'était tout con. Par contre, il y a un truc que je voudrais voir. Les 33, ouais, normalement c'est bon. Ça m'a tué mon chat, bien. Enfin, ça m'a tué moi et moi. Ces exécutions sont bien.
C'est moi où il y a beaucoup de trucs pour guerre et pas pour pas pour Discord. Ouais, c'était ça qu'ils étaient en train de regarder. Ok. Bon, on y va. Hein. On va affronter. Ouais, c'est ça, il est là. On va aller affronter le monstre. Pardon. On va passer par là. C'est parti! Vulgrim aurait pu nous prévenir que cet endroit s'écroule de partout. Il est encore plus vieux que lui. Bon. Tâchons de marcher silencieusement. C'est à moi que tu dis de marcher silencieusement? Parfaitement sûr. Rien n'est sûr dans ce royaume. Je suis tellement heureux que tu sois là pour me parler des détails importants. Ouais, on va aller faire un tour en bas. Je l'ai pas eu. D'accord. Là, je l'ai eu. Il y a rien. Il y a rien. Embuscade. Non. Oh, j'ai cru. J'ai failli le louper. Ça valait bien la peine de marcher. Je devrais plus aller chercher de la vie en fait. Oh non, juste quand je prends de la vie quoi. Abusé.
Abusé. Au moment où je fais une esquive. C'était compliqué, mais j'ai réussi. Oui, je connais. Une fois que je suis rentré, je peux plus en sortir. En fait, faut courir, d'accord. Ce foutu endroit est en train de s'écrouler. À de toi, frère. Ben alors. Hâte-toi, frère.
pas passé loin. À moi la tunasse. Un grand? Non, c'est tout droit. Je crois que j'ai parlé trop vite. Ouah! C'est quoi ce truc? Mais non, pourquoi t'es revenu en arrière, toi, débile? Ah, si je fais pas les ailes, ça va pas aller. Des portails lorsqu'il est lancé sur du panneau du néant permet de se déplacer l'objet. Comment ça marche? Viser, activer le mode de visée, déplacer l'arc lorsque le panneau du néant il crée des portails liés. Faites traverser les portails, d'accord. Mon instinct de chasseur de trésors me titille. Quel genre d'artefact est-ce là? Il vibre. Tu sens ça? Il y a un genre d'énergie prise au piège à l'intérieur. Ça a peut-être quelque chose à voir avec ces glyphes étranges. Eh, dis donc, des muscles et un cerveau. Ah oui, d'accord. Il faut que je... D'accord, faut que je fasse ça. Non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Ah, c'est ça. Tac. Là et il est où l'autre? D'accord. Et après, je mets là. Et ça fait un portail. Ça ne picote pas, toi? Il n'y a aucun chemin devant nous. Maudite soit cette fourberie! Tout doux, frère. Je suis sûr que le chemin continue. Faut juste qu'on utilise nos têtes. Je préfère utiliser ma tête comme un bélier. Ça? Ah! D'accord, ils sont reliés. Je vais faire ça. Ok, cool. Ah, d'accord. Ah, c'est complètement débile. La vitesse du truc, quoi.
c'est pas possible, il y en a encore. Il y en a encore à péter. Ah non, c'est comme ça. Ah, je suis débile. Je ne fais pas attention. Bam! La puissance. Ah, j'avais pas vu. Oh là là, que c'est beau tout ça. Ah, une popo. Alors. Par ici. Hein. Téléportation vers la gorge des vents de glace. Je pense que c'est là-bas que ça se déroule, mais... Non ? Oh, d'accord. Le truc. Ah, quoique, non, c'est pas ce que je voyais. Je me suis dit, faut peut-être que je tue les autres qui volent là, mais en fait non. Thank you.
Ça, c'est de la balle dans la tête. Pourquoi ils font ça? Encore des glyphes. Encore des énigmes exaspérantes. Merde. Ouais, ma manette elle déconne. Voilà. Si, c'est ce que je veux faire. C'est ça qu'il fallait que je fasse, d'accord. Cherche Vulgrim. Qu'est-ce que tu crois que ce cadavre flottant va en faire? Eh bien, nous aider à trouver Lucifer. Ouais, à moins que cette chose n'accorde à Vulgrim un pouvoir illimité et qu'il l'utilise pour asservir l'univers. Ton imagination est épuisante. Eh, ça pourrait arriver. Et on a fini, pile poil à l'heure. Donc sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Et que... Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, ça me plaît beaucoup. Ça me donne même envie de... Je pense que je vais... En plus, le 2 et le 3, je ne l'ai pas fait. Donc je pense que ça va ça me donne envie de refaire le 1, le 2 et le 3. Pour me faire toute la série en fait. Ouais c'est ça. Donc on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Et à ciao les amis.